Et voilà, bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la semaine. Bienvenue dans Actu 60. Quelles sont les priorités? Quelles seront les priorités pour le gouvernement Judith Toluka? Et la question, la deuxième question se pose, qu'apporteront toutes ces femmes qui sont au gouvernement? Deux invités sur ce plateau, face à face, aujourd'hui, Ernest, c'est 15e, hein, 15e, Delecide, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mon co-débatteur, bonsoir à tous les Congolais. Et voilà, il y a Blanchard Mutshima. Albert Mutshima. Albert Mutshima, il est de parti écho de Jean-Claude Massango Moulongo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame Minuska et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver encore sur votre plateau pour communier avec tous ceux qui nous suivent à travers leur chaîne à la maison. Je reste toujours avec vous. Quelle est l'actualité qui a retenu votre attention, hormis notre sujet, au courant de la semaine? Bon, vous savez, l'actualité, il y en a assez, mais je voudrais quand même m'interroger sur la démission aussi brusque de la ministre déléguée à l'environnement, Stéphanie Mbombo, qui démissionne quelques jours seulement après son investiture, après l'investiture du gouvernement et sa prise des fonctions. Jusque-là, les raisons ne sont pas connues, parce que personne n'en dit aussi de manière claire. Mais nous estimons que au fur et à mesure que les jours passent... Certaines langues disent qu'il semblerait à Brazzaville, là où elle était mandatée, comme déléguée à la place du chef de l'État, semblait-il, elle avait commis du bourg là-bas. Bon, écoutez, c'est comme je venais de le dire, hein, y a beaucoup de versions, en fait. Il y a beaucoup de versions. Et nous réservons d'aller beaucoup plus dans les détails. Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire? Réfléchissons un peu à haute voix. Je pense que qu'est-ce qu'il peut créer sa démission si brusque comme ça? Je pense que les raisons ne peuvent être que politiques. Dans la mesure elle où. Elle a été poussée à démissionner, non? Poussée, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit d'un accord? Je ne suis pas en train de faire des affirmations. Je m'interroge à haute voix. Parce que. Nous le savons tous, la mise en place de ces gouvernements a laissé place à beaucoup de frustrations. Ça, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on le reconnaît. Je sais qu'il y a le Maniema qui a réclamé qu'il soit représenté. Vu la monture de ces gouvernements, sa taille, est-ce qu'il a été demandé politiquement à la ministre de céder? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu des boires là où elle était partie? Ce sont des questions ouvertes, mais je souhaite quand même que les Congolais soient éclairés, parce que jusque-là, tout le monde est resté perplexe, madame. Et voilà, je passe la parole à Ernest Kanzema. Qu'est-ce qui a retenu votre attention au courant de la semaine, hormis notre sujet? Merci madame pour la parole. Je pense que j'ai deux petits points que je voulais énumérer ici. Premièrement, c'est j'ai vu les arrestations dans les contrôles routiers avec les agents du ministère des Transports et Voies de Communication. Je les ai vus vraiment en train de déranger. Bon, j'appelle ça un dérangement parce qu'il y a eu des débordements par rapport à leur mission avec les transporteurs, les motocyclistes que nous appelons communément les Wewa. Et même avec d'autres véhicules. Tout de suite, là, quand je venais, on a risqué de connaître un accident à cause de ces comportements de ces agents-là qui dépassent vraiment les limites. Alors, je demande à M. Bemba, bien qu'il a échoué au ministère de la Défense, d'essayer, parce qu'il n'a pas pu récupérer ne fût-ce qu'un kilomètre carré à l'est, comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. Et puis, il y a un milliard octroyé à l'armée qui a pris une autre direction. Mais qu'il essaie un peu de mettre de l'ordre au ministère des Transports, ne fût-ce que là-bas. C'est un ministère qui est un peu compliqué. Et surtout que le Congo n'a pas d'avion, pas de bus Transco. Qu'il essaie un petit peu de voir aussi les dossiers Transco. Parce qu'il y a à boire et à manger dans les dossiers Transco. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais du moins, chez Transco, il y a un sérieux problème.
un sérieux problème, que le ministre Bemba puisse un peu faire mettre de l'ordre là-bas. Deuxièmement, sont les arrestations arbitraires des jeunes gens à Kisenso. Ici, j'appelle le général Blaise Kilimbalimba d'interpeller le commissaire des districts de Moamba. À Kisenso, on arrête les paisibles citoyens pour qu'ils payent 300, 400 000, 500 000 francs congolais. Pourquoi ? On les arrête et la famille doit débourser 150, 200 000, 300 000 pour qu'ils soient libérés. On arrête même les jeunes de moins de 18 ans qui ont 14 ans, 13 ans, 12 ans, parce que c'est un garçon. Le fait qu'il soit un garçon, on l'arrête. Le jour. Il y a l'opération Panthéeur, n'est-ce pas ? Ils sont pas quand même de fous. Hein. Non, je vous dis sincèrement qu'il y a des dérapages impossibles à Kisenso. Donc, je profite de l'occasion pour dénoncer cela. Qu'on essaie de mettre de l'ordre. Parce qu'il y a une manière très simple pour appréhender ces Kuluna. Il suffit d'entrer en contact avec le chef de rue, le chef de quartier. Ils connaissent bien tous ces inciviques qui font du banditisme urbain. Alors s'il faut arrêter parce qu'on sait que c'est un fils maison et quand il est arrêté, la famille fera de son mieux pour le libérer. Là, ce n'est plus les objectifs assignés à l'opération Panthéeur. Donc ici, j'interpelle le général des divisions, donc le numéro 1 de la ville, le général Blaise Kilimbalimba, pour essayer un peu d'interpeller celui qui gère Moamba au niveau de la police. Donc voilà les deux sujets qui me sont vraiment à cœur pour cette semaine. Je commence avec vous, Ernest. Quelles seront les priorités du gouvernement Judith Toluka ? Bien que vous êtes délécidé, vous êtes de l'opposition ou encore de la résistance, mais quand même le bonheur de ce pays, vous en dépendez aussi. Ce Congo Bongi, Binupi Bongi quand même. Quelles seront les priorités? Bon, je vais répondre parce que c'est une question qui m'a été posée. Mais j'ose croire que ce que Mme Toluka nous a dit au Parlement, et pour nous, au sein de la Mouka, c'est dit déjà entendu. Comment? Oui, quand vous prenez les images de qui c'est, celui qui l'a précédé. Sama, vous voyez ce qu'il avait présenté au Parlement, vous voyez Toluka, bon, ce sont des choses qui sont venues d'un même laboratoire, sous le leadership de notre frère Félix. Donc, moi, je vois, pour nous, la priorité, les priorités seraient d'abord l'intégrité territoriale. On devait commencer par là, parce qu'il y a une bonne partie de notre territoire qui est sous occupation jusque-là, que nous ne gérons pas. On devait commencer par d'abord l'intégration, l'intégrité territoriale. Deuxièmement, on devait penser à la pacification totale du pays. Quand je parle de la pacification totale du pays, à l'est, vous avez les M23 et les autres mouvements, groupes armés. Au centre, comme à l'ouest, vous avez les Kuluna, vous avez Mobondo, ainsi de suite. Donc, sur tous les territoires congolais, le peuple est vraiment en danger, il ne se sent pas en sécurité comme c'était à l'époque. Et troisièmement, on devait penser aussi à un problème sérieux qui ronge la société congolaise, la cohésion nationale. Aujourd'hui, les Congolais ne sont plus unis à cause du tribalisme à outrance instauré par notre frère Tshisekedi et sa bande au sommet de l'État. Et en fin de compte, nous, chez nous, nous appelons cela les priorités ou les prérequis et penser à la gouvernance intègre. Et appelle ça bonne gouvernance, mais chez nous, nous appelons cela gouvernance intègre. Voilà les quatre prérequis pour nous, les quatre points que nous devons d'abord commencer par là. Et sans cela, vous pouvez instaurer n'importe quel gouvernement composé, de, je ne sais pas moi, de technocrates ou qui que ce soit, mais si ces priorités, ces prérequis ne sont pas mises en place, il n'y aura pas de changement dans ce pays. Il devait commencer par là. Malheureusement, Toluka a commencé par la bonne gouvernance. Il a parlé de quoi ? Pacification totale du pays. Donc, il s'est dit mélo, c'était déjà entendu pour nous. Alors, on ne voit pas là où il pourra s'en sortir. Voilà. Vous êtes prophète de malheur, pourquoi ? Nous ne sommes pas des prophètes de malheur, mais avec l'expérience. Je dis Toluka, l'expérience, n'est pas égal à Samalou Kondé. Je crois que c'est la version féminine de Samalou Kondé. Toluka, c'est la version féminine de Samalou Kondé. Vous avez vu d'abord ce qu'elle nous a produit comme un résultat au ministère du Plan. Elle était inexistante au sein du gouvernement, Sama. Sama lui-même était
je dirais, quelqu'un qui n'était même pas, qui n'existait pas devant notre frère Tshisekedi. On ne juge pas une personne sans pour autant vu son travail, vécu ses œuvres. Madame, j'ose croire que tous ceux qui sont au gouvernement ont un passé. Et à partir de ce passé et le présent que nous vivons, nous pouvons projeter l'avenir. Parce que ces trois états de la vie d'une personne, d'une nation, d'une communauté sont intimement liés. Donc partant de mon passé, de ce que je vis maintenant, vous pouvez projeter l'avenir pour dire que bon, dans l'avenir, dans le futur, vous voyez ce qu'Ernest pourra être. Alors je vois Toulouka comme ministre du plan, avec un échec cuisant dans le programme de développement local des 145 territoires. Bon, aujourd'hui, Toulouka, Premier ministre, moi je vous dis sincèrement, c'est la version féminine de Sama, et il n'y a rien qui sera produit. Alors quand je parle de rien, c'est-à-dire, ce n'est pas dit qu'il y aura zéro. Nous devons nous attendre sur ces points-là. Ce n'est pas dit qu'il y aura zéro. Mais du moins, les objectifs assignés à ce gouvernement ne seront même pas atteints à 30%. Je passe la parole à Albert Mouchima. Vous avez suivi votre co-débatteur. Vous aurez le temps de rebondir. Mais répondez à la même question. Quelles seront les priorités de ce gouvernement? Madame, n'oubliez pas que c'est le dernier mandat de Fatché. Merci beaucoup d'aborder cette thématique des priorités assignées à ce gouvernement. Je crois que nous avons tous suivi, pour ceux qui s'intéressent évidemment à cette question, nous avons suivi, regardé l'investiture de Mme Soumino qui a défendu ce programme de gouvernement. Et ce document est accessible à tous ceux qui voudraient s'imprégner de la matérialisation de la vision du président de la République qui se trouve dans ces documents. Et lorsque vous lisez ces documents, il est enrichissant et il est riche. Quand j'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui va booster le développement du pays et c'est la vision économique de notre président national. Lui et pour nous, notre parti, il faut que le pays arrive à produire localement. Il faut que le pays arrive à transformer localement. Il faut que le pays arrive à consommer localement, investir localement, engager localement. C'est ça pour moi et pour bien sûr notre parti, ce qui peut être l'une des priorités majeures de ce gouvernement, à côté de l'insécurité qui est. Parce que déjà du côté insécurité, beaucoup de moyens sont investis. Et les échos sur terrain nous renseignent que les FARDC qui sont soutenus par nos compatriotes de Ouazalène se comportent très bien. Vous ne pouvez pas être satisfait, vous êtes membre du gouvernement, lorsque celui qui tue par l'arme, bah, il braque, et celui qui est tué par la faim, c'est la même chose, c'est juste de l'insécurité. Beaucoup dotés des provinces, par exemple, des machines modernes de production et d'agriculture pour que l'agriculture soit priorisée et ça va permettre à ce que le développement du pays soit boosté. Vous me demandez comment est-ce que ça va se réaliser. Évidemment, il y a un plan. Quand vous regardez bien ce gouvernement, ce programme ici, il y a les plans d'application. Tous ces mécanismes-là sont prévus. D'ailleurs, il comparait il disait Madame Souminois. C'est Sama 2. Version féminine. C'est mes versions féminines de Sama 2. Mais je ne suis pas ici pour faire des comparaisons, mais je dois quand même relever qu'il y a une certaine nouveauté que Mme Soumino apporte. C'est qu'elle projette un cadre de suivi et évaluation du programme. C'est-à-dire, à l'issue de chaque trimestre, il y a une structure qui est chargée d'élaborer, plutôt d'évaluer la manière dont tel ou tel autre secteur a fonctionné. Et ça, je ne suis pas sûr que ça a existé dans les gouvernements qui se sont succédés. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui vient avec une touche nouvelle. Il était au ministère des Plans comme elle était au ministère des Plans. Est-ce que cette touche nouvelle-là sera accompagnée aussi d'une volonté politique? Le vrai problème, en fait, la vraie question qui devrait être posée, c'est celle-là. Parce que le gouvernement a déjà étalé même les priorités sur lesquelles l'opposition et la majorité sont d'accord.
Alors, la question qu'il faille se poser, c'est comment faire pour que toutes ces priorités, tous les objectifs que le gouvernement s'est assigné soient accomplis ou soient atteints. Je crois que je ne fais pas la publicité de quelqu'un. J'avais beaucoup apprécié l'intervention d'une des députées, une femme, hein, parce que vous allez parler des femmes. Je crois que c'est l'honorable Kavira qui, dans son intervention, a pris un grand temps pour donner des conseils à la première. Et les conseils qu'elle donna à la première ministre, c'était des conseils profonds. Moi, je souhaite que la première ministre soit dotée de toutes les marges de manœuvre. C'est-à-dire, il faut qu'elle se sente ministre. Il n'y a pas seulement, il faut que chaque ministre dans son secteur, qu'il se sente ministre, qu'il n'ait pas des interférences des partis politiques ou des groupements. Mais vous oubliez aussi un problème dont ceux qui ont travaillé au mandat passé ont déclaré. Il y a des conseillers en matière de l'énergie, conseillers en matière de l'environnement, conseillers en matière des hydrocarbures, et ce sont ces conseillers-là qui constituent comme des bourreaux pour les ministres. Vous avez raison. Il y a eu la dernière fois, toujours sur votre plateau ici, je suis revenu sur la reconnaissance des erreurs du passé. C'est un conseiller qui blâme le ministre de la République. Et ces erreurs, ce sont là les failles, s'il faut les lister parmi les failles, ce sont là les failles du précédent mandat du président de la République. Il faut donc que chaque ministre se sente responsable dans son domaine. Il faut qu'il travaille. Vous voyez par exemple l'IGF. Cette institution-là, qui bénéficie de la confiance totale du président de la République, elle donne des bons échos. Elle travaille en toute quiétude, en toute tranquillité, parce qu'il n'y a pas toutes ces interférences-là. Et même nous appelons le président de la République à marteler. Je crois le nouveau directeur du cabinet du chef de l'État. Il faut, quand il va avoir des réunions avec les différents conseillers, qu'il leur tire les oreilles pour dire laissez les ministres travailler. Il faut que chaque ministre puisse avoir les capacités et la possibilité de répondre à ce programme. Merci. Parce que vous l'avez vous-même dit, c'est le dernier mandat du président de la République. Ce n'est pas la première ministre à la fin qui viendra répondre, c'est lui-même qui va répondre. Et l'avenir même de ceux qui vont lui succéder, s'ils sont de sa famille politique, dépend de comment il va se comporter cette année ici. Donc je suis d'accord avec mon co-débatteur et déjà je suis content parce qu'on s'entend sur beaucoup de sujets. Je pense qu'on va et donner des propositions, parce qu'il ne faut pas s'opposer sans proposer. Il faut donner des propositions que ce gouvernement qui va bientôt prendre complètement fonction va appliquer. On peut donner des propositions, c'est bien bon. Maintenant, cela dépend à ceux qui écoutent les propositions d'être sensibles aussi. Et d'en pratiquer, c'est ça le problème. Évidemment, merci. Il faut avoir une oreille. Je passe la parole à Ernest. Ernest, qu'apporteront toutes ces femmes qui sont nommées ministres? Merci madame pour la parole. Mais n'empêche que vous rebondissez. Oui, je vais d'abord rencontrer mon co-débatteur. Allez-y. Bon, j'ai beaucoup aimé son sens du patriotisme. À certains endroits, il dit la vérité, mais de l'autre côté, Il est obligé de défendre sa famille politique. Ici, moi, je n'ai même pas d'abord parlé des priorités. Moi, je parle des prérequis. Donc, c'est-à-dire, même si c'est lui qui devient Premier ministre ou chef d'État dans ces pays, si ces prérequis ne sont pas mis en place, il va échouer. Moi également, je vais échouer. Intégrité territoriale, pacification totale du pays, cohésion nationale, gouvernance intègre. Cher ami, le problème de cohésion nationale, là, les maniements. Parce que si on était vraiment cohérent, sincère, honnête, nous avons 54 ministres. Nous avons 26 provinces. D'abord, chaque province aura un ministère. Parce qu'il y a 26 ministères, vice-ministères, mais du moins, les responsables d'une province aura déjà un poste ministériel. 26 fois 2, 52. Donc, du moins, chaque province pouvait avoir deux membres dans le gouvernement. Aujourd'hui, l'Union sacrée prouve à la nation congolaise qu'au Maniema, il n'y a pas de gens compétents pour travailler pour la République dans ce gouvernement Toulouka. Mais il y a un espace
il y a un espace linguistique qui se retrouve avec plus de 25-30 ministres. Parce qu'ils sont les frères, ils se disent frères. Les machamou menou. Oui, les frères de notre frère Tshisekedi. Et ils n'ont pas tort, hein, parce que lui-même aussi, lors d'un meeting, avait dit, vous êtes mes frères de sang. Vous avez les images. Alors, à part les prérequis, vous avez des priorités, éducation, les besoins sociaux de base, vous avez l'administration, l'agriculture, l'écologie, les infrastructures. Ça, c'est ce que nous avons prévu, nous, dans notre programme. 4 prérequis, 6 priorités, 6 défis, 2 réformes institutionnelles. Là, je ne sais pas revenir sur ça. Mais retenez une chose, que vous serez, Toulouka sera habité à un problème que Félix ne peut pas abandonner. Les gouvernements parallèles. Ça, retenez avec la reine mère. Donc, retenez que là, ça ne va pas rater. Et c'est avec ces gouvernements parallèles. Vous insinuez quoi? La reine mère. Qui est-ce? Elle connaît la reine mère. Celle qui impose les mains à tous celui qui veut être gouverneur, ministre, député, sénateur, ainsi de suite. Ces gouvernements parallèles, c'est ces gouvernements parallèles qu'un des membres avait signé l'autorisation pour Stéphanie Mbombo de se rendre à Brazzaville sans que Bazaïba soit informé, sans que Toulouka soit informé. Il faut dire la vérité à la population. Et lorsque Mbombo retourne de Brazzaville, Bazaïba l'interpelle. Mais comment est-ce que vous avez été à Brazzaville? Et moi, parce qu'elle est ministre déléguée au ministère de l'Environnement, pour, je sais pas moi, l'économie du climat, ainsi de suite. Mais du moins, son chef direct, c'est Bazaïba. Elle n'était pas informée. Et quand elle interpelle, comme c'était le gouvernement parallèle qui est au-dessus du gouvernement Toulouka qui l'avait mandaté, elle va hausser les tons. Ouais. Alors Bazaïba fait les rapports à la première ministre qui va de pousser à la démission. Donc, il y aura des vrais couacs pour le gouvernement Toulouka et le gouvernement parallèle. Parce que c'est comme ça que Félix fonctionne. C'est comme ça que son prédécesseur, son autorité morale, Kabila, a fonctionné. Donc, parce qu'il n'y a pas eu changement. Ils sont là dans ces mêmes modes de fonctionnement. Cher ami, vous avez parlé de l'agriculture. Mais j'ose croire que les provinces qui souffrent de l'insécurité aujourd'hui, en termes de groupes armés et ainsi de suite, sont aussi des provinces à vocation agricole. Parce que derrière, c'est toutes les provinces de la RDC. Mais dis-moi, je ne sais pas comprendre que vous puissiez trouver 5 provinces de la RDC sont occupées, souffrent de l'insécurité. Vous avez le Nord Kivu et l'Ituri qui sont derrière sous un état de siège inutile, parce que les résultats, vous les connaissez. Vous avez les Kwango, les Kwilu, les Maïndombe qui sont menacés par Mobondo. Donc, au moins 5 provinces sur 26. Vous avez les armes qui circulent comme les pains. Et les 21 autres provinces, vous avez des machettes, des haches qui circulent comme ça. Vous allez asseoir votre agriculture sur des territoires que vous n'avez pas pacifiés, dont les agriculteurs ne sont pas assurés d'une bonne sécurité, chers frères. En tout cas, si vous refusez les prérequis que la Mouka vous propose, le Congo va tourner à rond. Je vous dis, ce n'est pas une parole d'évangile, mais pour tout celui qui aime le Congo, vous devez commencer par là. Est-ce que la Mouka introduit ses propositions au gouvernement? Depuis le congrès de Kisangani, nous avons publié cela. Même si on ne vous remet pas comme ça, moi je peux trouver leur programme facilement, non? Et je les lis. Pourquoi je sais que Toulouka n'a pas commencé par l'intégrité territoriale? Pourquoi? Par quel mécanisme, par quelle magie je sais que Toulouka n'a pas commencé par la pacification totale du pays? Parce que j'ai pris connaissance de ce programme-là. Et aussi, comme politique, je vais prendre connaissance du programme de la Mouka, même si vous ne voulez pas utiliser le même terme. Mais du moins, le problème est là. Le problème est là. Il ne faut pas comparer l'insécurité que nos frères et sœurs, les enfants, les vieillards, vivent au Nord Kivu, en Ituri et en Ituri, avec la faim que moi, je suis en train de vivre à Kinshasa. Mais du moins, je peux me déplacer chercher un pain.
Yes, la guerre de l'Est a occasionné 7 millions de déplacés internes. 7 millions. 7 millions de déplacés internes. Et vous pouvez dire que non, non, on a assez donné des moyens pour les problèmes de la sécurité à l'Est. Maintenant, on peut penser à l'agriculture. Répondez à ma question. Que porteront toutes ces femmes qui sont nommées ministres? Rien du tout, madame. Oh, quel pessimisme. Rien du tout, madame, parce que là, je vais maintenant rencontrer la personne qui a été toujours une inspiration pour moi, paix à son âme, le cardinal Malula. Il dit ceci, je vous explique en quelques mots sa pensée. Nous sommes en 1980. Les Congolais, les Aïrois à l'époque doivent aller aux urnes. Malula dit ceci. Comme ça, vous allez prendre toutes les femmes que vous voyez là, vous allez les comparer avec ces qualités que Malula énumère pour les personnes que nous devons placer au sommet de l'État. Malula. Il demande aux Congolais de voter des autorités qui ont le sens du bien commun et de la justice. Parce que celui qui a le sens du bien commun et de la justice est capable de se dépasser, de sortir de son confort habituel, ma famille, ma tribu, ma région, et penser nation. Et lorsque Toulouka discute avec notre frère Félix, je ne vois pas ce sens-là de quitter l'air confort de l'espace kassaïen et penser aux maniémiens. Deuxièmement, la compétence. Veuillez chuter. J'arrive. Il n'y a que trois points. La compétence. Pourquoi la compétence? Parce que l'exercice ou la fonction politique aujourd'hui demande beaucoup de compétences parce qu'elle devient complexe, vous savez, avec la modernité. Il faut des personnes compétentes. Et troisièmement, Malula demande aux Congolais de voter pour des gens qui ont le sens de l'honnêteté et de l'honorabilité. Le sens de l'honnêteté et de l'honorabilité. C'est pourquoi je vous ai demandé de voir le passé de tous ces candidats, de tous ces ministres, de tous ces vice-premiers ministres, et c'est leur passé. Vous comprendrez s'il y a l'honnêteté et il y a l'honorabilité en eux ou en elles, parce que vous parlez des femmes. Je prends. Quel a été le résultat de Mme Bazaïba à l'environnement 5 ans avec qui c'est Lukonde ou avec Ilunga Kamba à l'époque? Zéro. L'argent de carbone est parti où? Dieu seul connaît. Dieu seul connaît. Ils n'ont pas le sens de l'honnêteté et de l'honorabilité. Je ne peux pas voir une ministre. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, ceux qui ont des tatous, ainsi de suite, c'est le pays des tatous. Hein? Ils ont des tatouages par-ci, par-là, des nez pincés et tout ça. Mais ils ont leur place. Ceux qui engagent l'État ont choisi le meilleur. On ne choisit pas ceux qui sont dans les TikTok, dans les histoires, ainsi de suite. Non. Non. Merci. Je passe la parole à Blanchard Mochima. Albert. Hey. Albert. Excusez-moi. Vous massacrez mon nom, je vais porter plainte. Albert Mochima, qu'apporteront toutes ces femmes qui sont nommées ministres? J'aimerais d'abord rencontrer monsieur Ernest un peu rapidement. Oui, oui, oui. En fait, je comprends pourquoi il y a de la confusion à la Mouka. Ah. Vous croyez vraiment? C'est vraiment. Il me permet de comprendre pourquoi. Il y a la Mouka Fayulu, la Mouka Katumbi, la Mouka Mouzitu. Ah bon? C'est parce que c'est vous qui le dites. C'est votre allié. C'est vous qui le dites. Oh, non. Parce que la manière dont mon frère fournit l'effort de me rencontrer, parfois en disant des choses que je n'ai pas affirmées ici, il n'a pas lu ce programme. Parce que quand vous prenez ce programme à la page 32, les piliers 2, il y a protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Sur ce plateau, moi je n'ai pas affirmé, je n'affirmerai jamais que la question de l'Est, c'est une question qu'il faut banaliser. Parce que lorsque le président de la République prête serment sur la Constitution, c'est de défendre la Constitution et l'intégrité territoriale. Donc ce qui se passe à l'Est, nous sommes agressés. Mais maintenant, madame, ce que moi je dis, c'est quoi? Je suis en train de mener des réflexions. Je ne suis pas venu ici pour... Je mène des réflexions. Ça tue à l'Est.
et on doit sauver. On doit investir beaucoup de moyens et nous le faisons. Il n'a même pas, en parlant, il n'a pas fait mention au projet que les FARDC réalisent là-bas. Où c'est ? À l'Est. Vous savez c'est combien. C'est un faux rapport. Vous de savez, Bemba, il vous a menti. Vous savez, au vous savez. Ministres. Non, mais il y a. Y a mais, il y a, vous a menti. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a les témoignages de ceux qui sont sur terrain. Moi, je ne parle pas, je ne vais pas parler d'individus ici. Il a fait un faux mais rapport. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi ? De la même manière que nous sécurisons ceux qui sont à l'Est. Moi, je ne suis pas contre la sécurité de l'Est, madame, mais vous allez vous rendre compte que l'Est du pays, c'est parmi les provinces les mieux développées. Je disais dans le taxi tout à l'heure, si Goma, par exemple, rivalise avec Kinshasa, lorsque vous regardez beaucoup d'organismes internationaux, la plupart de leurs investissements, ça va à Goma. Oui, oui. Quand vous regardez la manière dont Goma, donc la ville de Goma et d'autres villes de l'Est sont construites, et vous regardez la manière dont les couilles ici, le Kassai central chez moi, le mouvement qui maintenant là essaie un peu de il y a un contraste. Lorsque vous regardez comment est-ce que la vie est chère dans d'autres provinces, vous regardez comment est-ce que les gens meurent de faim. Non mais il faut quand même que qu'on rentre quand même et qu'on réfléchisse, qu'on dit qu'est-ce qu'on peut faire de la même manière que nous combattons d'est là-bas. Moi, j'ai dit, mettez l'accent sur l'agriculture, lutter contre l'insécurité alimentaire. Parce que pour moi, l'insécurité alimentaire, comme je viens de le dire, c'est une arme, c'est vraiment une arme silencieuse. Et elle, tu vois, elle ne fait pas de bruit. Elle tue la plupart des maladies que nous voyons, la malnutrition et consorts. Pourquoi tous les organismes nationaux, internationaux là, veulent que nous demeurons toujours dans cette histoire de malnutrition et consorts? C'est parce que Il y a dernièrement ici, j'ai vu la. Mais malgré la malnutrition, on a quand même amené la gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité, madame, je ce qu'il faudrait-il que je puisse vous rappeler, c'est a été déjà effective ici à Kinshasa et sera répandue dans toutes les autres provinces. Mon frère parle des prérequis qu'il faille pour que vous puissiez réussir, mais je pensais qu'il donnerait les critères préalables. Bon, il me dit non, le manière n'est pas représenté. Vous allez échouer. Vous avez dit ça, il ne faut pas. J'ai noté ça. Cohésion nationale, parce que Maniema n'est pas représentée, parce que telle n'est pas représentée, parce qu'il y a un certain nombre, je ne sais pas, des Kassaïens autour de Tshisekedi, ils vont échouer, mais non. Non, je n'ai pas nous ne pouvons ça. Pas réfléchir en non, ces termes-là. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Vous, non, vous, non, vous, je n'ai pas vous, dit vous, ça. Vous l'avez dit. L'échec ici. L'échec ici, c'est votre temps. Il hein? Oui, c'est mon temps, oui, c'est oui, pas vrai. Il revient sur la question que j'ai évoquée en actualité pour parler de la ministre Mbombo. Non, un conseiller aurait signé l'acte d'émission. Moi, je dis sur ce plateau, moi, je ne suppite pas. Pour ne pas dire nous ne suppitons pas. Nous attendons que les faits soient prouvés. S'il s'est avéré que la ministre est partie au Congo-Brazza avec la signature, l'ordre d'émission du conseiller, eh bien, il faut que les services, ce n'est pas seulement elle qui doit démissionner. Le conseil doit être poursuivi. Encore est-il, comme ça ne s'est pas encore prouvé, parce que j'ai évoqué plusieurs versions ici. Certaines langues disent qu'il s'agit d'un accord politique parce qu'il faut donner la place au Maniema, il fallait qu'elle puisse céder. Ce sont des supputations. Donc, il faut attendre que l'avenir nous donne raison. Les femmes. Oui. Moi, je comprends aussi encore. Pourquoi à côté du président Martin Fayulu, il n'y a pas de femmes qui militent à côté de lui? Est-ce que vous avez déjà vu s'il vous plaît, vous avez déjà vu dans une manifestation vous avez le président Fayulu avec des dames ensemble à part maman Esther? Ah bon? Une seule image. Il y a des femmes. S'il vous plaît. À part là où il est avec les autres, les Matata, les Katumbi dans des marches, des femmes comme ça autour de du président Martin Fayulu. Donc, les discours qu'il vient de tenir sur les femmes qui sont au gouvernement me donne raison et puis me pousse à dire cela. Ah non, vous ne m'avez pas rencontré. Moi, je pense que le débat ne devrait pas être au niveau de femmes lorsqu'on voit sur les plans biologiques la femme telle qu'elle est. Le débat devrait être mis sur la compétence que l'une ou l'autre femme peut toutes les femmes là, je ne suis pas sûr qu'elles soient choisies par de manière complaisante parce que proche de telle, comme il fait implicitement allusion
à la maman du chef de l'État. Moi, je ne suis pas ici pour parler de la maman du chef de l'État, ou de la reine mère. Donc, je ne suis pas ici pour parler d'elle, je ne la défends pas, je ne suis pas de l'île de peste. Mais je voudrais quand même qu'on puisse avoir du respect pour elle parce que c'est une maman. C'est une maman. Et encore est-il. Il n'a pas insulté. Encore est-il qu'elle n'a jamais lancé les invitations pour dire à tel ou tel autre qui veut devenir candidat de venir prendre bénédiction. C'est les gens qu'il faut condamner, ce sont eux qui partent vers lui. Il faut les blâmer. Massango, c'était parti. Il est déjà parti là-bas. Non, écoutez, parce que vous parlez de Massango. Massango, c'est un homme très réfléchi. Massango, c'est un homme. Je ne dis pas que tous ceux qui vont ne sont pas responsables, mais Massango, il sait faire la part des choses. Il sait respecter chacun selon son rôle. C'est une dame qui a une expérience en politique pour avoir été à côté de Tien Tshisekedi. Elle connaît beaucoup de choses sur ce pays, mais ce n'est pas pour autant que nous devons toujours aller vers elle. C'est une maman. On peut mais il devait partir de s'incliner et qu'on puisse le bénir. Si, mettre la croix sur son front. Vous voyez les gens, parce que vous m'amenez à parler de Massango, vous voyez les gens comme Massango, avec ce qu'ils ont comme expérience, avec ce qu'ils sont comme atout, ce sont les gens dont le pays a besoin. Donc ce sont les gens que le pays, comme vous avez fait en son temps, que le pays doit rechercher. Il n'a pas été élu pour qu'il... Massango Moulongo est député national. Il est député national. De la Malemakulu. Voilà la chemise même que j'ai portée, montre de Malemakulu. Mais il n'est pas nommé ministre. Non, mais écoutez, vous savez, il est aussi frustré. Tout le monde est frustré, pourquoi ? Tout le monde n'est pas obligé à servir le pays au gouvernement. Mmh. Mais cela n'est pas exclu que si on les consulte pour servir, ils les refusent parce qu'il a une expérience à apporter. C'est un technocrate, il peut mieux servir dans des bureaux qu'il faut, dans des stratégies qu'il faut au ministère, parce que pourquoi il ne peut pas être frustré. Les femmes, comme je venais de le dire ici, il faut qu'on leur donne toutes les possibilités pour qu'elles donnent les meilleurs d'elles-mêmes. La première ministre, il a critiqué son bilan au ministère des Plans. Vous savez que le ministère des Plans, c'est un ministère qui n'est pas du tout connu, mais qui est le poumon du gouvernement. Et quand vous êtes au ministère du Plan, l'objectif, l'idéal, c'est pas de parloter, faire de... Non, c'est de travailler, c'est un ministère technique. La dame a coordonné... a été au centre du pilotage du programme de 145 territoires, qui est en train de donner ses fruits. Moi, j'ai vu cette dame-là parcourir des villages, parcourir des territoires et territoires, à la supervision des travaux qu'ils sont en train de se faire. Et donc, tous ceux qui ne sont pas connus dans la place publique, tous ceux qui ne font pas de bruit, ce n'est pas pour dire qu'ils sont incompétents. Je peux prendre l'exemple de mon président national. Vous avez déjà entendu Massango aller faire des bruits dans la télévision? Et si aujourd'hui, on les prend pour servir le pays quelque part, on va dire, là, il était telle part, il n'a pas. Donc, madame, je pense que qu'on donne à toutes les femmes, moi, je leur souhaite vraiment une bonne chance, parce qu'on ne peut pas les juger sans voir les résultats. Elles ont une première ministre qui donne les orientations, et savent qu'elles ont la vision du chef de l'État qu'il faut matérialiser. Je crois qu'on va les juger sur base des résultats et non être prophète des malheurs comme mon frère de Lamouka. Et voilà, Ernest veuillez répondre. Je commencerai par d'abord, je trouve que mon co-débatteur Albert Mouchina. Vous massacrez mon nom. Ah, je vais porter plainte. Ça veut dire quoi? Bon, Mouchina, c'est un chilouba, hein? C'est un chilouba, ça signifie. Oui, oui. Ça signifie quoi? Craignez-le. Ah, il faut vous craindre. Il faut avoir peur de moi. Ah. Oui. Voilà. Nous avons beaucoup de femmes à décider autour du président Fayoulou. Beaucoup de femmes vraiment. Ok, il faut qu'on les voit à l'œuvre. Oui, oui, elles sont là. Il ne faut pas que l'égoïsme du président Martin. Non, elles sont. Le président n'a jamais été égoïste. Vous avez la vice-présidente de l'ECID. C'est une femme. Je ne pense pas que... Inconnue. Si, elle est connue. Notre secrétaire national à la communication, Maman Chantal, est la patronne de la communication chez nous. C'est une dame, ok? Parmi nos secrétaires généraux adjoints, nous avons une dame. Mais elles sont inconnues. Elles sont connues. Hein? Elles sont inconnues. Maman Chantal, vous connaissez Maman Chantal? Mais j'ai dit qu'elles sont inconnues. Maman Chantal est inconnue. Je l'entends parler souvent, mais pas toutes. En fait, j'ai comme impression que le président Martin est. Ah non. Là, vraiment, vous êtes à côté de la plaque. Bon, association de femmes de l'ECID AFEC, c'est une dame qui est là. Les deux suppléantes du président Martin Fayoulou en 2018, c'était des femmes. Les deux.
la très regrettée maman Charlotte, et puis celle qui a remplacé après, qui c'est, le nom est parti. Donc voilà un peu, nous avons des femmes à côté du président Martin Fall, parce que pour nous, la femme a sa place. Ce n'est pas comme de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez des femmes qui arrivent, mais qui continuent à réclamer aussi, parce qu'en réalité, ça ne va pas. Chers frères, vous n'allez pas expliquer à un Kivusien, à un Ituriens ou au Congo ici, que bon, voilà, Goma est aussi développé, tout ça. Il faut développer aussi Kikwit, il faut développer Mbujima et tout ça. Ah, donc on ne peut pas développer les autres provinces. Ce n'est pas un argument devant les problèmes sécuritaires que nos frères vivent à l'Est. Peut-être. Vous n'avez jamais eu un proche qui a été victime de ce qui se passe à l'Est. Peut-être. En tout cas, moi, je vous dis sincèrement, pour moi, ça passe ou ça casse. Mais nous disons la même chose. Nous disons la même chose, mais en termes de prioriser les actions, vous avez mis ça au. Vous parlez de deuxième priorité. Protéger le peuple, c'est bien. Mais c'est dans un territoire qui est pacifié. Vous avez les enfants, M. Ernest. Est-ce que c'est quand un de vos enfants est malade, c'est pour autant que le reste des enfants ne mangent pas? Ah, mais non. Mais non. Et même quand on a deux à la maison, on mange. Manger. Parce que si on ne mange pas, on n'aura pas la force de pleurer. Moi, je ne refuse pas. Suivez. Traiter l'enfant et le nourrir, les deux sont de priorité. Et l'urgence, c'est laquelle? Les deux sont de priorité. Mais l'urgence. La question sécuritaire, c'est une question d'urgence. Parce que. À l'insécurité, vous allez ajouter la famine, vous avez les enfants qui ne savent plus étudier. L'insécurité, elle n'est pas seulement physique. Non, écoutez, l'insécurité alimentaire aussi. Nous, dans notre programme, nous avons aussi. Vous n'avez jamais proposé. Nous avons la guerre. Quand on parle de l'agriculture, c'est contre la guerre contre la faim. Mais les priorités du gouvernement, d'abord les prérequis. Les restes viennent après. Chez nous, ça passe ou ça casse. On commence d'abord par reconquérir ces territoires qui nous échappe, nous allons les pacifier et penser maintenant aux autres priorités. Alors, en tout cas, vous commencez par remettre l'agriculture devant. En attendant, on laisse les taux de chômage, on laisse les gens au chômage, on laisse les gens mourir de faim, les autres mourir parce que... Laissez-le parler, s'il vous plaît. Nous déjà nous tendons vers la fin. Allez-y, Ernest. C'est pourquoi nous disons déjà que Toulouka tend vers son échec. Là. Déjà oui. Déjà vers son échec. D'ailleurs, il y a eu des démissions. Ce n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres. Parce que je sais qu'il y a des gens qui seront bloqués quelque part là et ils vont partir. Donc, les priorités chez nous, on ne sait pas vous copier. Parce que vous êtes dans l'erreur. On ne sait pas vous copier. On commence d'abord par l'intégrité territoriale, pacifier les pays et ainsi de suite. Les restes, nous viendrons avec les priorités et l'éducation. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'éducation, quand on parle de l'éducation, de l'enseignement, bon... je suis enseignant, il y a boire et à manger à l'intérieur. Il y a l'écologie, les infrastructures, tout ça. Ça entre dans les besoins que les Congolais ont aujourd'hui. Mais, chers frères, la question sécuritaire, mettez du sérieux là-dessus. Parce que ce sont des vies humaines qui sont en train de partir. Vous pouvez venir aider quelqu'un qui a faim. Parce que. Là où il vit, il y a la paix, il y a la sécurité. Mais à l'Est, avec l'insécurité, vous avez vu même les humanitaires hein, oui. Quitter certaines régions, certaines provinces, territoires de l'Est à cause de l'insécurité. Oui. Donc ils ne savent même pas apporter quelque chose, une aide alimentaire à nos populations. Donc, on ne peut pas comparer les deux problèmes. Je sais qu'il faut lutter contre la faim, parce que c'est aussi une arme silencieuse qui tue. Mais avec ces provinces, il ne faut pas chercher à avoir des explications là-dessus. Je n'ai pas dit que ces femmes ne feront rien parce que moi, je pense que le deuxième point de la compétence pose problème sur le choix de toutes ces dames-là. De toutes ces dames-là. Et toutes ces dames-là,
parce qu'elles ont un passé. Elles ont un passé et puis vous allez voir ce passé. Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Et vous devez savoir aussi qu'en politique, seule la volonté ne suffit pas. Toulouka nous a présenté un chapelet de bonnes intentions. Ça, c'est un chapelet de bonnes intentions. Je veux faire. Mais sous le leadership de celui qui porte dans son sang l'échec, notre frère Tshisekedi. Merci. L'échec circule dans son sang. Donc, être son premier ministre, vous êtes déjà lié à son sort d'échouer. Parce que son leadership, c'est un leadership qui ne paye pas. Qui ne paye pas. Vous avez vu, dans le passé, il parlait de Kabila qui l'est bloqué, Ilunkamba qui n'exécutait pas. Aujourd'hui, tu sais qu'il cherche, pendant Merci. Les 6 mois, il trouve qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Il dit, c'est la Constitution qui me bloque. Merci beaucoup. Veuillez aussi rebondir. Vous avez 4 minutes pour rebondir. On tombe vers la fin de l'émission. Bon, madame, je voudrais que les Congolais qui nous suivent, qui regardent cet échange, puissent mettre dans leur tête que la sécurité, l'intégrité nationale est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de la Mouka qui se tape la poitrine et qui n'a jamais fait des propositions concrètes, qui sombre dans des divisions inutiles de l'opposition, mais il est souhaitable que toutes les urgences, parce qu'il a parlé, il pense que c'est seulement la sécurité physique de l'Est qui est l'une des urgences, toutes les urgences soient prises en compte. En commençant par l'agriculture, par lutter contre l'insécurité alimentaire dans toutes les provinces. Parce que là, ça ne regarde pas seulement l'Est, dans toutes les provinces. Il faut que les emplois soient effectivement créés, tel que la première ministre l'a défendu. Il faut que le Congolais puisse renouveler sa confiance dans l'État, dans les institutions. Il faut que le Congolais soit capable de se dire, j'ai un État, je peux me sentir protégé, je peux estimer que ma sécurité est garantie. Il faut que le Congolais se dise que quel que soit là où je me trouve, que ce soit au village ou dans la ville, je peux avoir accès aux soins de santé, je peux avoir accès à l'éducation, je peux avoir accès à tous les services publics de manière équitable. Et c'est ça le cheval de bataille de cette équipe ici qui vient d'entrer en place. C'est une équipe qui n'est pas parfaite. Parce que, comme nous le savons, la politique est là, c'est jeu. Mais au-delà de ces jeux, il faut que les saluts publics, les saluts du peuple soient notre cheval de bataille. Et je suis sûr que toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont dans ce gouvernement sont conscients. Quand il y a des failles, nous sommes là pour nous donner les propositions. Nous sommes là pour dénoncer, parce que les gens pensent que quand vous soutenez les chefs de l'État, ceux qui sont de l'Union Sacrée ou ceux qui sont dans l'une ou l'autre structure qui soutient les chefs de l'État, vous devez encaisser toutes les erreurs et toutes, excusez les termes, toutes les bêtises que l'un ou l'autre commet. Encore est-il que ce n'est pas le chef de l'État qui envoie tel ou tel autre à commettre les bêtises. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner cette équipe. Et je souhaite que nos amis de l'opposition fassent des propositions concrètes. Parce que l'opposition, ce n'est pas seulement le radicalisme qu'on constate chez Lamouka et Martin Fayoulou. L'opposition est là comme une sorte de garde-fou pour le pouvoir en place. Là où le pouvoir n'évolue pas bien, l'opposition regarde, mais je pense que vous pouvez faire ça. Dénoncer, c'est bien. Mais vous dénoncez en vue de quoi? Merci. En 2018, on nous a présenté, ce n'était pas un plan de sortie de crise dans lequel on cherchait les postes pour qu'on soit coordonnateur. Donc, c'est des propositions comme ça que la Mouka veut nous amener, la recherche des postes, comme ça a été le cas en 2018. Non, il faut qu'ils nous disent, vous avez dit, voilà la création d'emplois, l'agriculture, la cohésion nationale, voilà comment vous pouvez y parvenir. Ça, c'est ça que nous voulons. Merci. Ernest, votre mot de la fin. Le mot de la fin, je voulais rappeler aux Congolais que la Mouka est dans la résistance pacifique et il n'y a pas un parti d'opposition, de l'opposition au Congo, parce qu'il n'y a pas eu élection en 2023. Il y a eu un simulacre d'élection.
Alors, il cherche à tout prix à fabriquer une opposition avec Katumbi, mais du moins, le peuple sait qu'il n'y a pas eu élection en 2023. Il y a eu 6 milliards d'élections, donc il n'y a pas opposition. Parce que quand est-ce qu'il y a une opposition? C'est lorsqu'il y a eu deux élections crédibles et transparentes, démocratiques. Il y a eu un parti qui a gagné et l'autre a perdu d'une manière honnête. Et là, il bascule dans l'opposition. Mais ici, nous sommes dans les cas d'un 6 milliards d'élections. Nous sommes dans la résistance pacifique. Ils n'ont qu'à fabriquer l'ère opposition avec Katumbi, comme disait mon secrétaire général Devos Kitoko, que je salue en passant, Bolamba Bolia Lamuke Woyate. Alors, nous nous faisons des propositions, ce n'est pas pour chercher des postes, parce que si c'était pour des postes, votre patron de l'Union Sacrée à plusieurs reprises a envoyé des gens pour venir chercher Faoul. Si c'était pour des postes, on serait déjà ensemble avec quoi. Vous. Mais dis-moi, c'est ce que vous pensez là que nous puissions apporter. Mais on ne sait, on ne sommes pas dans ces histoires. À part le plan de crise. Ce qui est regrettable pour la nation congolaise, notre frère est dans ses erreurs du passé. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pourquoi nous disons déjà à l'avance, n'attendez rien de ce gouvernement. Toulouka avec Tshisekedi devant, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il fait dans le présent, donc n'attendez rien dans l'avenir. Pour sauver ce pays, il faut que le peuple puisse se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2% des Congolais qui marchent sur 98% des Congolais. Et ce n'est pas normal. Cette situation doit cesser. Merci beaucoup. Albert, veuillez conclure. L'équipe ici de Madame Toulouka, nous lui souhaitons toutes les bonnes chances. Avec notre président national, Jean-Claude Massangou, avec toute son expérience, et il est au Parlement, nous sommes disposés à apporter notre contribution, notre expérience que porte notre président, et nous sommes disposés à accompagner le président de la République. Il faut que les Congolais ne perdent pas espoir, ne perdent pas espérance, ne perdent pas leur foi, leur espérance, parce que ce pays est en train d'être redressé. Et tous ces jeunes qui sont aujourd'hui au chômage, il faut qu'ils prennent conscience que leur cas est pris en compte. À mes compatriotes qui sont à l'Est, je leur dis que nous sommes de cœur avec eux. Et notre parti, notre président national et notre président de la République se battent corps et âme pour que la paix soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez suivi, nous avons reçu Ernest Okandjama de l'ECID, merci Ernest. Je vous remercie. Albert Moutina du parti ECO, merci Albert. Merci madame. Merci à Laïte Moutonj, merci à Enoch Mbala, merci à vous qui nous suivez depuis Brikine, Mimi Misenga et Martini Mangongo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos phares d'essai et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.